Monsieur Philaster, ouais, j'ai tout terminé aujourd'hui, je suis en train de l'écouter, ça va être de la frappe. La photo de couverture de l'album, pour vendredi, mais c'est dans 2 jours. Oui, je sais, c'est vu que ça prend plus de temps que prévu, je voyais quelque chose de brutal, de violent, oui, c'est ça, du sang. Monsieur Philaster, je vous rappelle, je pense que vous aurez votre photo avant ce soir. Monsieur. Je suis mort. Pas encore, a priori. Oh merde, laissez-moi tranquille alors. Oh, ça, c'est la meilleure. Je vous ferai dire que c'est vous qui êtes sur mon chemin. Écoutez, je me suis emballé. J'ai une proposition à vous faire. Vous voulez me rouler dessus? Ah non! Non, c'est mort, vous allez me dégueulasser la bagnole! Voilà ce que je vous propose. Vous allez un peu plus loin sur les voies. Moi, je garde la voiture sur le côté et je vous rejoins. Vous avez une cigarette? Oui. Ah non, merci, je ne fume pas. Pardon? Je peux vous demander votre avis? Je suis compositeur. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est de la musique classique? Non. Alors non, merci. Je n'écoute que du Satie et du Beethoven, du Chopin par jour de pluie et du Vivaldi dans le pire des cas. Vous devriez faire réparer votre poste. Le train, il roule à quoi? 250, 300 km/h? Quelque chose comme ça. Vous allez éclater en 1000 morceaux, mon vieux. C'est pas moi qui ramasserai. Dans ce cas-là, vous allez faire le bonheur des sangliers. Ce sera toujours une meilleure compagnie que la vôtre. Ils vous joueront peut-être du Vivaldi? En fait, je me posais une question. Pourquoi vous avez choisi une voie ferrée au milieu de la forêt? Je suis même pas sûr qu'il y ait encore des trains qui passent par ici.
Amazing new music. Amazing new music. Amazing new music. Amazing new music.